Salut à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau Kilomètre 12. On va passer en revue toute l'actualité automobile et cela pendant 26 minutes avec notre amie Anne-Denis. Eh bien, je suis ravie de te retrouver. Mais moi aussi. Anne. Et cette semaine, c'est la jolie Vanessa Lawrence qui viendra tester la nouvelle Mercedes CLS Vanessa Lawrence, toute jeune venue sur la scène musicale. Et oui, elle vient de sortir son single Crazy. Geoffrey Deluce a testé pour vous cette semaine la Mitsubishi i-MiEV. Gros plan également sur le trophée Andros, le concept car Toyota Prius V, sans oublier le film Hell Driver. Oh, t'étais pas bon en anglais, toi, rassure-moi. On dit Hell Driver. Elle, c'est l'enfer en anglais. Oh bah attends, tu te la racontes toi avec ton accent anglais, Driver, ça passe, j'y crois pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, et on commence tout de suite par une pub qui a fait sensation pendant le Super Bowl aux États-Unis, une pub Mercedes. Ah, tu dis Super Bowl, tu dis pas Super Bowl justement avec ton super accent. Ouais, c'est bon, tu m'as fatigué, on m'a compris. Il y a bien un seul moment où un annonceur est sûr de taper fort avec une pub télé aux US, c'est évidemment pendant les coupures pub de la finale du Super Bowl. Au-delà de l'événement sportif, il y a un véritable enjeu médiatique et Mercedes l'a bien compris et a concocté spécialement une pub d'une minute. Hello? Is anyone out there? Elle dévoile quatre modèles, la SLS, la C63 AMG, la SLK et la SLS AMG. Le tout dans une magnifique vidéo. Oh non, that wasn't my car. It's my car. Years in the making. Introducing the new line of Mercedes-Benz. Welcome to the family. Has anyone seen my silver Mercedes? Anyone? Yes. Salut Vanessa. Patrice, t'es en retard. Hein. T'es quoi? En bas. T'as même pas de montre, attends, mais tu rigoles ou quoi? Bonjour. Ça va? Bon, Vanessa Lawrence, voilà, qui cartonne avec le single Crazy, qui descend de l'avion en l'étant. Qui descend de l'avion. Juste pour nous, pour Kilomètre 12, on est très heureux. Et toi, tu me fais attendre. Ouais, je te fais attendre, mais t'aurais dû me dire, je t'aurais ramené une petite doudoune, je sais pas, il fait un peu froid là. C'est bon, d'accord, allez, je te propose de monter tout de suite dans cette Mercedes CLS. On y va? Avec plaisir. Ah ouais, alors d'accord, je vois le genre, Vanessa, donc pas de temps d'adaptation, quoi. Tout de suite, on fonce. Temps d'adaptation, deux feux, deux virages, hop, ça y est. Ça y est. Ah, c'est comme la SLS, c'est quoi, ils m'ont mis dans les mains, j'étais là, oh, il faut que je roule à deux à l'heure, tu vois. La SLS qu'on voit justement dans le clip, le Crazy, qu'on va tout de suite voilà, découvrir. C'est ça. Allez, c'est parti, regardez. Alors justement, on vient de voir ce clip Crazy, comment ça s'est passé? On l'a vu, on était au volant de superbes voitures, justement, bah, qui ressemble un petit peu à celle-là. Qui ressemble un petit peu à celle-là, sa cousine, la SLS. Très puissante elle aussi. Très puissante aussi, très confortable. Ouais. J'ai la chance de conduire des belles voitures, donc c'était super forcément. C'était un super tournage, vraiment. Quand on a l'occasion de conduire des voitures comme ça, on se plaint pas. Qu'est-ce que t'en penses de cette SLS? Elle est dynamique, ouais. C'est vrai. Alors c'est le modèle 350 CDI, elle a plus de 265 chevaux, donc c'est pour ça qu'il y a des petites accélérations sympathiques, hein, dès que t'appuies sur le champignon. Comme t'as pu voir. Exactement. Comme j'ai pu sentir aussi, surtout. Je te préviendrai la prochaine fois de t'attache. Ouais, ça va. Non, mais j'ai pas peur. Ça va, j'ai pas peur, je me sens bien. Et donc, au niveau de l'intérieur, comment tu trouves ça? Donc, spacieux.
spacieux, confortable. Et c'est vrai que je suis une fille, donc les filles le diront, on regarde plus l'esthétique, tout ça, que les garçons, le moteur et la puissance. Mais c'est vrai qu'elle est très confortable et très, il y a beaucoup de rangement. Je prends. Tu prends ? Je prends. T'as vu notamment dans l'île de la Tentation, comment a commencé toute cette aventure, les photos, l'île de la Tentation, tout ça ? Ben écoute, les photos, j'ai commencé à 15 ans très tôt sur la région lilloise dans un premier temps, après Paris, la France. Et après j'ai bougé beaucoup à l'étranger, Milan, Barcelone, Après j'ai été contactée pour faire l'île de la Tentation. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Encore une fois, on a lié les vacances avec le travail, donc c'était vraiment cool. C'est un concept chez toi. Si c'est que vacances, c'est que travail, non, c'est pas bon. Si, ça va. J'ai eu la chance de rencontrer mon producteur, donc Vince, de Time Up Productions, parce que j'ai toujours été passionnée par la musique aussi, qui m'a proposé un superbe projet, d'où le single Crazy. Ouais, ce qui est vraiment top aussi dans cette voiture, c'est l'espace, parce que je pense que tu as une petite famille ou des amis qui sont un peu grands. C'est vrai qu'il y a de la place derrière. Il y a énormément de place derrière, il y a énormément de place dans le coffre. Je crois plus de 500 litres. Donc bon, c'est vrai, il y a le prix, 68 000 euros, mais il y a tout de même 68 000 euros. À partir de 68 000 euros, ce modèle, 350 CDI avec quand même plus de 265 chevaux. Voilà. D'accord. Ça. Tu réfléchis peut-être. Ouais, je réfléchis. Petit investissement, petit calcul. Alors comment ça se passe justement au boulot? Tu vas faire les photos, tu arrives quand même à créer des affinités avec d'autres mannequins ou c'est quand même assez perso? J'ai l'impression comme métier. Déjà, le monde est assez perso, tu vois. C'est assez particulier quand même. Ouais, ces filles-là, elles sont beaucoup solitaires, elles ont un rythme de vie différent quand même. Elle, c'est pas boulot-vacances, elle, c'est boulot-boulot-boulot. Tu vois, boulot-boulot-boulot. Et moi, je mange, je vais à McDo, je mange des pizzas, ce qui est pas trop leur cas, tu vois, donc elles te regardent un peu en 3D. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dit? C'est vrai, on a pas, dès qu'on voit sur les magazines, la bombe, Vanessa Lawrence, est-ce qu'il y a un moment, ça te fait plaisir, ça te fait sourire? Tu me connais pas assez pour le savoir, mais je suis vraiment... cool, et je prends vraiment tout au second degré. Je suis pas... C'est pour ça qu'il y en a qui vivent très mal l'après-télé de télé-réalité, que ce soit en positif ou en négatif, quand on parle d'eux, tu sais. Mais alors moi, déjà, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, au niveau de l'île de la Tentation et de la presse, et de l'après-presse et tout ça, et l'image et tout ça. J'ai eu de la chance, la presse m'a épargné. Tu t'es pas fait cartonner. Non, je me suis vraiment... J'ai cherché, je te cache pas, j'ai cherché. Je me suis vraiment pas fait cartonner, donc là ça va. Et après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je suis absolument pas susceptible. Mais absolument pas susceptible. Et moi, quand j'ai fait l'île de la Tentation, je l'ai vraiment fait dans l'esprit vacances et fun et amusement. Et moi, au pire des cas, j'avais toujours mon métier que j'avais avant, que j'ai toujours. Les Anges de la télé-réalité sur NRJ12, c'est une émission justement auquel t'aimerais participer, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Toujours dans le même délire, genre on se prend pas la tête, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être encore une solution pour allier travail, plaisir et détente. J'ai l'impression que ça fait partie de ton concept, de ta façon de voir les choses, j'ai l'impression. Il y a une deuxième saison programmée, je peux déjà te le dire, donc... Ouais. Bah écoute, mets-moi dessus. Attends, petit scoop. Voilà, Vanessa Lawrence de l'île de la Tentation 2010 qui sera, je peux vous le dire déjà, d'ores et déjà. Dans les Anges de la télé-réalité. Dans les Anges de la avec tout le reste de la bande. Allez, nous on enchaîne avec l'essai de Geoffrey Deluz. Cette semaine, il a testé la Mitsubishi iMiV. La Mitsubishi iMiEV symbolise le système japonais avec l'association de l'automobile et de l'électronique, les deux domaines phares du pays. En choisissant l'i comme base, Mitsubishi a gagné beaucoup de temps et de développement. Il lui a suffi d'ôter le moteur thermique et de le remplacer par un moteur électrique 88 batteries lithium-ion de haute densité. Extérieurement, c'est vrai qu'au mois de suite, la voiture a été pensée pour un usage urbain, à savoir le pare-brise panoramique qui garantit une bonne visibilité, et puis les roues placées aux quatre coins permettent d'avoir moins d'encombrement et surtout beaucoup de place à l'intérieur. C'est une véritable citadine 4 portes avec 3,47 m de long et 1,47 m de large. La recharge est-elle assez simple? Ça se fait de la même manière qu'une trappe à essence. On a ici deux tirants. Le premier pour la prise de charge rapide qu'on trouvera dans les villes qui permet de charger la voiture en 30 minutes. Et la seconde qui est ici, qui permet chez soi de recharger la voiture en 6 heures au simple moyen d'une prise de 120 volts. L'iMiEV n'existe que dans une finition unique, mais elle s'avère bien équipée avec la clim, les vitres électriques, l'indicateur de mode de conduite, sans négliger le confort avec volant,
et levier de vitesse en cuir. Côté sécurité, 6 airbags, ABS, contrôle de trajectoire et anti-patinage. Ce qui est marrant, bien sûr, c'est la motorisation. Le côté électrique, on pourrait croire qu'il pourrait y avoir des changements. Le gros changement, c'est bien sûr le silence qu'on a à rouler dans cette voiture. Par contre, la loi est bien maîtrisée, donc quand on accélère, c'est pas violent, c'est vraiment très progressif. Et donc, d'un côté, c'est très agréable, même presque mieux qu'un moteur thermique, en tout cas en ville. Le moteur électrique est plutôt vaillant, il offre un couple de 180 Nm entre 0 et 2000 tours. La Mitsubishi i-MiEV autorise une vitesse de pointe de 130 km/h avec une autonomie de 150 km. Côté châssis, c'est vrai que c'est quand même une voiture bien faite et bien pensée puisque ça braque très très bien. Donc en ville, c'est extrêmement maniable malgré l'empattement qui est quand même lui très long. C'est assez confortable. On n'a pas l'impression d'être dans une voiture bas de gamme ou en tout cas comme pourrait être d'autres véhicules électriques un peu mal finis. Non, c'est une vraie voiture dans laquelle on se sent bien et on se sent en sécurité. Gamme Mitsubishi i-MiEV à partir de 29 790 euros. Patrice, c'était comment ces vacances à la montagne? Bah, c'était top, c'est génial. Ouais, non mais rien qu'à te voir, toi l'homme du soleil, non mais honnêtement, je suis sûr que t'es pas une flèche en ski. Bah attends, je maîtrise, bien sûr que je suis une flèche en ski. Bon attends, j'avoue, la vitesse ne me fait pas peur, donc je dévale les pentes à toute allure, je fonce. Petit problème, je t'accorde pour s'arrêter, je suis pas trop le pro du dérapage. Mais non, tu sais pas faire le dérapage puisque tu fais du chasse-neige. Oui, on m'a dit que tu faisais du chasse-neige. C'est vrai, chasse-neige, mais c'est quoi, c'est une valeur sûre. Bon. Et puis j'avoue que j'ai un petit peu opté pour la luge, hein, histoire de parfaire mon sens de la trajectoire. Par contre, c'est un petit peu tête-cul hein, avec les bosses et tout, c'est un petit peu... Ah c'est pour ça que tu marches bizarrement, crabe depuis ce matin. Non mais t'avais dit que tu le dirais pas, non, rajoute pas, ça suffit. Hein. Non mais je suis mort de rire, c'est quoi, on va faire un petit point sur le trophée Andros, c'est parti. À Lens-en-Vercors, ils sont encore trois à pouvoir arracher le titre 2011. Qui de Dérault, Prost ou Lagorce sera sacré champion? Sur le paddock, ça joue des pronostics, chacun a son favori. Dérault, c'est le plus spectaculaire. Prost, c'est le plus sage. Je dirais 1 Lagorce, 2 Prost, 3 Dérault. Les objectifs sont maintenant clairs pour tout le monde, mais les premiers tours de piste viennent semer le trouble dans les teams. C'est le jeune Adrien Tambay sur BMW Série 1 qui prend la tête à l'issue de la première séance qualif. Des trois prétendants au titre, seul Jean-Philippe Dérault réalise une bonne opération en prenant la deuxième place devant le pilote du DA Racing, Jean-Baptiste Dubourg. Tout le team Saint-Éloque laisse éclater sa joie, sauf problème. En finale, Dérault est titré pour la troisième fois consécutive. Mais là, il faudrait que pour qu'on ne gagne pas le trophée, qu'on ait un problème technique, voilà, mais c'est pas fini. Le double champion garde les pieds sur terre avant la première finale où il part en pole position devant Jean-Baptiste Dubourg et Franck Lagorce. Dérault prend très vite de l'avance et ses concurrents s'inclinent devant le roi de la glisse. Le Toulousain remporte ainsi son troisième titre sur le trophée Andros. Ils ont fait du bon boulot, ils ont mieux géré que nous, ils ont gagné. Bon, ben, bravo à eux. Jusque dans les derniers mètres de la compétition, le Toulousain a voulu montrer sa suprématie sur la glace. Dans sa finale, Dérault a assuré le spectacle avec Panis, une lutte acharnée jusqu'à l'arrivée, avant de fêter son troisième titre sur la ligne. Cette année encore, il était le plus fort. Ce titre, acquis dans une nouvelle équipe et dans une nouvelle auto, a d'autant plus de saveur que les deux premiers. Rendez-vous maintenant le 5 mars au Stade de France pour la super finale du trophée Andros. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Mais hey, t'as trop la classe, hein? Tu sais qu'elle te va comme un gant, cette Mercedes en CLS. Mais c'est sympa, t'es gentil aujourd'hui. Ouais, mais je trouve qu'elle me va comme un gant ici. Ouais, alors j'espère que t'as un gros cochon en tirelire, hein, parce que 68 000 euros à peu près hein, pour ce genre de modèle. Hein. Ouais, mais bon, j'ai réfléchi, j'ai économisé, je l'adore, j'ai craqué, donc je pense que je vais la prendre. Je vais même essayer de convaincre ma chérie, ça devrait passer, je pense. Ah, mais elle est pas au courant? Non, elle est pas au courant. Mais, non, mais ça va le faire, hein, tu sais, j'ai la technique.
petit dîner en amoureux, ouais. Romantique, ouais. Petit vin, petit champagne, petite soirée après qui va bien, et puis tu sais, après ça, peut rien me refuser. Hein, ah, mais attends, mais on va fêter ça, je vais l'appeler. Ouais, attends, mais je vais l'appeler. Non, attends, c'est pas une bonne idée, non, attends, arrête. Anna non, Anne. Allô, Anna, alors, non, Anne, oui, c'était tu, juste tu, pour non, dire. Tu vas tout faire foirer, bon, allez, on enchaîne tout de suite avec le concept que Prius V, c'est beaucoup plus intéressant, regardez. Il a eu l'idée de... Prius 5, elle exploite la plateforme et la technologie hybride Synergy Drive de la Prius 3, mais sous une silhouette compacte. Elle offre un habitacle spacieux qui lui permet d'augmenter son volume de coffre de plus de 50%. Un véhicule repensé de A à Z dont la forme évoque davantage une évolution de la Prius qu'une version rallongée. Les lignes extérieures sont tendues, rondes et affirmées, et la ligne de pavillon étirée conserve à la voiture la silhouette triangulaire typique des Prius. À l'avant, des projecteurs aux arêtes vives et des aérocoins viennent encadrer la partie inférieure de la calandre qui s'élargit pour optimiser l'aérodynamisme et le refroidissement. Les proportions extérieures de la Prius 5 lui valent un habitacle spacieux et modulable, idéal pour les familles. Grande première chez Toyota, le toit panoramique en résine. Il apporte une excellente isolation et un gain de poids de 18 kg. Berline, monospace, la gamme de Prius s'élargit en attendant la commercialisation des versions rechargeables. Attends, mais comment ça, je suis nul en mime? Attends, ouais, j'y crois pas, attends, je suis une star du mime, tu crois pas? Ah non, mais je t'assure, regarde. Petite devinette, tu dois deviner le titre d'un film en anglais, madame, si je fais ça. Pilote, conducteur. En anglais, j'ai dit, en anglais, quand même, attends. Bah, driver. Oui, driver. Taxi driver. Non, attends, laisse-moi terminer. Si, presque. Attends, pas mal, si je fais ça. Un avion, une abeille, des ailes. Oui, alors, c'est de quoi Winged Flyer Mais non, nul, zéro, L Driver, le film qui sort le 23 mars prochain, ça va cartonner. C'est dur aussi, t'es mauvais. Mais non, je suis une star du mime, je l'ai dit. Regardez la bande-annonce, c'est parti. Je te croyais mort. 22 miles. Jolie carrosserie. Oh yeah. L Driver, c'est le tout dernier bébé de Patrick Huisseur. Après Meurtre à la Saint-Valentin, le réalisateur a de nouveau utilisé la 3D dans ce film d'action et de course-poursuite. Oh yeah. Nicolas Cage, alias Milton, est prêt à tout pour rattraper les fanatiques qui ont assassiné sa fille et kidnappé son petit-fils. Il se lance à la poursuite des ravisseurs avec la séduisante Piper, incarnée par Amber Heard. Mais le parcours sera semé d'embûches, le chasseur pourrait bien devenir le gibier, un homme mystérieux au pouvoir surnaturel et lui-même à la recherche de Milton. Du Colorado à la Louisiane, il pilotera au total 3 voitures d'exception, une Buick Riviera de 64, une Dodge Charger de 69 et une Chevrolet Chevelle de 1971. La route devient le théâtre d'une véritable vendetta, une course-poursuite en cache une autre, sortie en salle le 23 mars. Et voilà, Kilomètre 12, c'est déjà terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, notre invité sera l'humoriste Anthony Joubert. Eh oui. Non mais attends, s'il est aussi joli que Vanessa Lorraine, ça promet. Moi, je vais bien m'amuser en voiture. Écoute, je sais pas s'il est aussi sexy, mais en tout cas, son spectacle vaut le détour. Il viendra tester la célèbre Phaéton. Ah. Anthony Joubert aussi sexy que Vanessa Lorraine, je ne suis pas sûr. Mais bon, écoute, on peut en parler. Mais hein, tu... Oui, bah justement, parlons-en. Le temps d'envoyer l'image de la semaine. Allez, image de la semaine. On débrief. Ciao.